Oui. Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Alors je suis en extérieur, comme vous pouvez le voir, parce qu'aujourd'hui on va parler un peu du ciel. Alors, j'ai vu aux informations que depuis quelque temps, on parle d'une certaine météorite. Alors je ne me rappelle plus du nom parce que ça ne m'a pas marqué, parce que je vais vous dire à quel point c'est grossier. Une certaine donc météorite qui est censée vouloir s'écraser sur la Terre. Oh mon Dieu, elle va passer au plus près de la Terre et bientôt elle va venir. Bref, pour vous donner une idée, chers amis, cette météorite a autant de chances de s'écraser sur la Terre que vous avez de la chance de gagner au loto. Ouais, quand je dis gagner au loto, gagner le jackpot au loto. Enfin bon, vous m'avez compris. Alors, pour vous expliquer un petit peu, vous donner une idée, donc cette fameuse météorite qui devait arriver, s'écraser sur la Terre, je crois que l'apocalypse serait annoncée pour le 2 novembre. Bon, eh ben, mes enfants, pom, 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 pom. Préparez vos bunkers, préparez vos affaires, commencez à prendre des pelles, louez des pelleteuses dans les sociétés de travaux publics pour faire des gros trous dans votre terrain et puis commencez à... Comment dire? C'est trop con. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas lieu de s'inquiéter en fait? Je vais vous expliquer. Pour vous donner donc une idée, la distance de la Terre et de la Lune est de 384 400 km. Exactement. 384 400 km. La météorite qui va passer au plus proche de la Terre va passer à 3,7 millions de kilomètres, soit environ 10 fois la distance de Terre-Lune. 9, et quelques fois. Enfin, bref. Donc, c'est pour te dire, la seule météorite qui est susceptible de s'écraser sur la Terre en premier, ce sera le satellite, ce sera la Lune, ce sera rien d'autre. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Maintenant, même si la NASA a soi-disant des inquiétudes, bah oui, il faut bien que les journalistes y parlent, hein. Faut bien qu'ils fassent le buzz, faut bien qu'ils gagnent un peu, qu'ils gratouillent quand même quelques pièces et tout ça. Surtout si vous regardez les chaînes à Pimpin, les journalistes véreux corrompus payés par Macouille et sa bande de bras cassés qui reçoivent des pots de vin. Bref. Donc, ne vous inquiétez pas, la météorite passera à 10 fois la distance de Terre-Lune. Bon, pas tout à fait, 9,23 fois. D'accord? Comment vous dire? Maintenant, il est possible qu'effectivement, si vous jouez au loto, vous gagnez le gros lot, il est possible que l'astéroïde tombe sur la Terre et nous fracasse. Voilà. Autre chose, bon, dans l'actualité, on voit évidemment que l'euro est en train de se casser la gueule par rapport au dollar. Mais bon, ça, je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. Ce n'est que le début. D'accord? Ce n'est que le début. Quand je vous dis depuis un bon moment de préparer vos francs, parce que il y a eu un article qui est sorti, qui s'appelle sur Capital, qui est sorti aujourd'hui, je ne sais plus à quelle heure. Je ne citerai pas Enfin, si, c'est sur Capital, en fait. Allez voir sur Capital, vous tapez sur Internet Capital et vous verrez l'article. Donc, l'euro se casse la gueule par rapport au dollar. Donc moi je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Cela fait maintenant presque 2 ans, voire plus, que je vous dis qu'il faut retourner au franc, parce que vous n'allez bientôt plus avoir un seul euro dans les poches. Quoi d'autre aussi? La jeune fille qui a disparu, je crois, depuis 15 jours aussi, qui a été retrouvée, soi-disant. Je ne sais pas trop où en est cette affaire, enfin elle a été retrouvée. Donc ça c'est pareil, on en a fait tout un pataquès. Hein? Bon évidemment,
Une personne qui disparaît, c'est toujours inquiétant. Bien sûr, il y a des recherches et tout ça. Faut être solidaire lorsque une personne disparaît, que ce soit une personne âgée, un enfant ou un adulte ou n'importe qui. Faut être solidaire. Mais bon, il y a une histoire de qui en a fait, ils en ont fait tout un pataquès, alors que la personne, je crois, elle était en fait, elle était dans la cave chez le voisin, elle s'était assoupie, elle avait bu un coup de trop, en fait. C'était un gars qui avait disparu, je sais plus, en Bretagne, en département de la Bretagne, je crois, qui avait disparu hein, le mardi matin. Ça, ils en font tout un pataquès. Il est possible que ce mec-là, comme il avait des ennemis, se soit fait enlever. Bon, après, évidemment. Il faut négliger aucune hypothèse, mais en fait, les gens, s'ils auraient été un peu plus intelligents, ils auraient dû se douter parce qu'ils disaient que ce mec-là, il était connu, il avait des connaissances dans son village. Donc, les trois quarts des gens le connaissaient, savaient où est-ce qu'il allait. Et en fait, ce mec-là, il était chez son voisin dans la cave, complètement bourré avec son pote, et ils se sont endormis. Donc, bon, le lendemain, il était bien, hein, il était à jeun, il était cool, il rentrait chez lui, mais bon, bref. Enfin, bon, tant mieux, il a été retrouvé sain et sauf, c'est le principal, c'est le plus important. Ensuite, quoi d'autre? Ben, vous savez, Makou et sa bande de bras cassés, toujours l'histoire du Covid-19, ils font toujours des pataquès, les bouddhistes. Ah, en ce moment, c'est les Femen. Ouais, c'est vrai que c'est les Femen là en ce moment, c'est pas mal aussi. Ah, et puis si un truc intéressant quand même, ça a failli tomber. Excusez-moi, j'ai eu un peu peur. Un truc intéressant quand même, ça a été quand même l'admission de deux grands hommes qui ont fait la littérature française de notre pays. Je ne sais plus qui est l'un, mais je sais qu'il y a Paul Verlaine aussi. Et ils attendent que Paul Verlaine et je ne sais plus quel autre grand littéraire français soient admis au Panthéon par Makou et sa bande de bras cassés. Comment dire? Il n'y a même pas besoin de demander à Makou et sa bande de bras cassés, puisque Makou il est tellement incompétent, tellement nul, il sait même pas qui c'est Paul Verlaine. Donc, il n'y a même pas besoin de lui demander, il faudrait le mettre au Panthéon directement. Panthéon, pardon. Directement. Bref, voilà un petit peu l'actualité, quelque peu déprimante, si je puis dire. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai reçu. Alors, si, je voulais vous dire quand même, j'ai reçu quand même quelques personnes qui m'ont envoyé des messages hein, en privé sur ma boîte mail. Comment dirais-je? Me demandant quelques conseils par rapport à ce que j'avais dit donc sur mon ancienne vidéo, si j'étais un jeune de 15 ans, comment je ferais aujourd'hui pour arriver à m'en sortir? J'ai donné une solution la dernière fois, je ne dis pas que c'est la solution miracle, comme je dis, je n'ai jamais eu prétention d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Après, quel genre de solution tu pourrais faire? Ben écoute, si tu as, on va dire, l'âge légal du travail, 15-16 ans, enfin 16 ans, parce que 15 ans c'est plus difficile, mais on va dire 16 ans, on va dire, l'âge légal du travail, tu peux commencer un apprentissage. Ce qui te permettrait de te mettre un peu d'argent de côté et puis tout simplement pouvoir financer ton permis à l'avance parce qu'après pense que tu as la voiture et qui dit la voiture tu as l'assurance à payer puis une fois que tu as l'assurance tu as l'essence aussi à payer donc moi 15 ans aujourd'hui avec l'eau pourrie et la conjoncture actuelle qu'il y a en France bon c'est vrai que si j'avais 15 ans aujourd'hui je serais mineur. Donc pour me déplacer déjà, ce serait difficile. Bien que maintenant, dans mon cas, puisque bon moi comment dirais-je, j'ai deux nationalités, en fait, là j'ai des origines, j'ai deux nationalités qui sont européennes. Maintenant avec l'Europe, on peut se promener un peu n'importe où. Mais bon, disons que si aujourd'hui j'avais 15 ans et que j'ai possibilité de quitter la France pour être dans un autre pays, déjà c'est ce que je ferais, parce que le coût de la vie en France, non, c'est trop cher pour moi.
Je veux bien dépenser, je suis pas le mec qui est, disons, friqué près de ses sous, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même des limites. Alors évidemment, tout ce qui est alcool et cigarettes, c'est pas quelque chose d'indispensable. Donc même ça coûte une fortune, c'est vrai, mais c'est pas indispensable. En revanche, les produits de première nécessité comme le lait, les œufs, et puis pour ceux qui ont des enfants, le lait en poudre, les couches, ce sont des prix exorbitants. Alors que moi, je ne trouve pas ça logique, puisque bon, ce sont quand même des produits qui sont existentiels. Hein, pour un bébé, il a besoin de manger. Voilà. Ensuite, si j'avais 15 ans, dans le cas où je n'aurais pas cette chance-là, de pouvoir quitter le pays, donc soit ben, c'est ce que je ferais, je ferais des brocantes, j'essaierais de, ou tout simplement à l'école, avec les copains, les copines, je vendrais mes affaires personnelles pour me faire un peu d'argent. Mais surtout, j'aurais déjà demandé à mes parents d'ouvrir un compte. Voilà, parce qu'un compte bancaire, de toute façon, ça te sert toute la vie. Que tu aies 15 ans, 20 ans ou 70 ans, cela te sert toute ta vie. Voilà. Quel conseil comme ça je pourrais te donner? Alors, comme je n'ai rien préparé, je dis ça à but en blanc. Je ne sais pas si tu as la possibilité, on va dire, de travailler pendant tes vacances. Quand tu es un ami, je ne sais pas, tu as un voisin, je ne sais pas, mettons, qui est agriculteur par exemple, que tu as possibilité d'aller à la campagne, comme moi j'ai eu quand j'étais petit dans mon enfance. J'avais la possibilité d'aller à la campagne chez mes grands-parents. Donc à l'époque j'étais dans un petit village et ben, ce que je faisais, j'allais travailler chez la voisine pendant mes vacances. Ça me faisait un peu de sous. Voilà. Puis après je les ai mis de côté. Mais ceux-là, je ne les avais pas mis. Alors ça, c'était bon, ça c'est ma petite anecdote à moi. L'argent que je touchais quand j'allais travailler donc chez la voisine, en fait, moi, je ne les mettais pas à la banque. J'avais mis une petite enveloppe, enfin, c'était même une petite boîte en carton à l'époque. Je me suis fabriqué une petite boîte en carton et je mettais mes sous dedans. Alors j'étais content, à l'époque, j'avais 50 francs, quelque chose comme ça. 50 francs, ouais, j'avais ça, entre 50 et 100 francs par semaine quand je faisais une semaine complète. Moi tout content et tout, puis en plus j'avais plein de pièces, alors je mettais ma pièce comme ça, je mettais une pièce dans la boîte en carton, je me suis dit quand elle va être pleine, je vais être riche, je vais avoir plein de sous. Et chaque fois que donc je venais, je laissais cet argent-là, je laissais chez mes grands-parents dans la petite boîte en carton, et j'avais ma petite planque, j'avais ma petite cachette à moi en fait. Et bon, j'ai fait ça pendant tout le temps que j'ai pu faire, quoi, quand j'étais gamin, voilà. J'ai pas honte de dire que moi, ben, le matin à 6 h, je me levais pour aller sortir les vaches. Il n'y a pas de sous-métier, j'ai pas honte de le dire. Et moi, je prenais mon vélo à 6-8 ans, j'avais la voisine. Je sortais de la maison de mes grands-parents, en fait. Je traversais la rue, il y avait le troupeau de vaches qui arrivait. Moi, avec mon vélo, tout ce que je devais faire, c'est attendre les premières vaches. Dès que les premières vaches arrivaient, moi, j'allais jusqu'au champ. J'ouvrais la barrière pour que les vaches puissent rentrer, une fois que les vaches étaient rentrées. Je fermais la barrière, je mettais le. Parce qu'on avait une petite. Comment dirais-je? Je devais installer. Enfin, installer, je devais mettre en marche une petite batterie. Vous savez que pour la clôture, c'était. Bon, c'est pas grand-chose, c'était du 6 ou du 8 volts, je crois, pour éviter que les vaches se barrent, hein, sortent du champ, bien entendu. Mais je le dis, quand j'étais gamin, ouais, je voulais sortir les vaches, j'ai pas honte, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a des sous-gens, mais il n'y a pas de sous-métier. Et puis faire n'importe quoi dans la vie, ça te fait une expérience. C'est tout. Au moins, tu peux dire, moi, dans ma vie, moi, je me suis occupé d'un troupeau de vaches. Voilà. Je suis fier de l'avoir fait. C'est pas grand-chose, mais je l'ai fait. Voilà. Bon, bref, je pense que bon, c'était une petite vidéo. J'ai pas grand-chose à vous raconter ce soir, mais bon, pour revenir à ce que je disais, quel exemple je pourrais te donner d'autres? Bah, écoute. Essaie toi de vendre tes affaires, donc faire des brocantes, ouvre un compte bancaire, et puis comme je te dis, si tu as des amis, de la famille, voilà, essaie de te mettre un maximum d'argent de côté parce que tu sais que donc à tes 18 ans, tu auras un permis à payer. Et aujourd'hui, si tu n'as pas le permis, tu n'as pas la voiture, bah t'es bloqué, mon coco. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai fini. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. ZDX.
Alors, je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais évidemment, si vous les aimez, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des pouces rouges, des pouces violets. De toute façon, je suis daltonien, je ne les vois pas. Donc, lâchez tout ce que vous voulez en termes de couleur de pouces. Partagez ma vidéo, évidemment, appuie sur le bouton pour t'abonner, abonne-toi si le contenu te plaît, et puis partage sur les réseaux sociaux, et puisqu'on parlait donc même de l'espace aujourd'hui, je le dis, je le répète, partage jusque sur la planète Zorg, là-bas, que les extraterrestres puissent avoir accès à ma vidéo. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous, soyez heureux, protégez-vous, protégez vos proches, pardon, parce que le coco-virus, lui, il est toujours là. Donc soyez prudents et puis bon courage pour ceux qui bossent, bon courage pour celles et ceux qui retournent à l'école aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Malphic. Allez, salut!